Bonjour et bienvenue sur TN Games pour la suite de Stray Cat Crossing. Et la fille de la photo nous dit, il ne vous laissera pas partir, vous savez. Le truc c'est que j'aurais bien voulu une meilleure touche pour sauter. Que le A, parce que le A il est loin et... Panique! Panique! Oh! Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pourquoi nous as-tu quittés? Personne ne nous donne jamais une chance. Pourquoi est-ce que tu nous as quittés? Nous n'avons jamais de chance de vivre! Pourquoi tu nous as quittés? Pourquoi? C'est de ta faute, tu sais. Pourquoi tu nous as laissés? Pourquoi? Oh oh. Ça va être intéressant. Nous quitte pas. Non, nous quitte pas. Comment voulez-vous que j'ai une chance face à ça? J'ai pas de skills. Ne nous laisse pas, ne nous laisse pas. Ah putain, regardez, j'appuie sur la touche courir, mais ça marche pas. Bon là ça va être le moment décisif. Vais-je y arriver ou pas? Ah, c'est chiant par contre toujours de... avoir la cinématique du boss fight. Je l'ai eu! Je l'ai eu! Ne m'oublie pas. Et même si tu ne nous aimes plus, s'il te plaît, ne nous oublie pas. Gat? Synchronisation de personnage. Bon, pour tout vous dire, je ne suis pas arrivé si loin. Il ne m'aime plus maintenant. Maman les attendait... Maman les attendait... comment dire... Vite, les jumeaux. Enfin... Donc maman est bénie. Ils n'ont plus besoin de moi. À présent. Donc je suis parti. C'est pour ça que les jumeaux sont dingues. Les jumeaux. Maman est bénie. Ils sont tous morts. Je les ai tués. Kat? Kat? J'ai besoin de récupérer mon écharpe. Putain, écharpe! Vraiment, on y retourne. Je dois avouer que je ne m'attendais pas au bébé géant. En fait, la dernière fois que j'ai fait ce jeu, je me suis arrêté juste au moment où j'ai donné l'oiseau.
pour me dire comme ça la vidéo sera plus vite fait, mais là c'est foutu quoi, c'est... J'espère qu'elle veut plus y retourner ou un truc dans le genre, ou la porte n'est plus là. Ça ne bougera pas. La porte est scellée. S'il y a autant de niveaux qu'il y a de portes dans cette maison, je suis verni. Le jardin. Cat ? Oh, pas encore ! Photo ! Oh, merci ! Déjà une demi-heure qu'on joue à ce jeu. Wouhou ! Peux-tu me dire l'heure ? Lunchtime, tea time, dinner time. Alors voyons voir, lunchtime. Lunchtime, ça doit être 3 heures. 6 heures. 9 heures. Minuit, sans doute. On va voir ça. Oui, j'ai bien fait. En fait, je vous explique. J'avais déjà vu le let's play, enfin la partie du let's play ici. De retour, bah, ma chère. Excusez-moi. Asseyez-vous, ma chère. Je vais mettre les, je vais mettre la table, on va dire. Désolé, mais qui êtes-vous? Qui je suis? Pourquoi? Qui suis-je? Est-ce que vous avez vu une petite fille habillée en vert dans le coin? Oh, vous parlez de la petite Cat? Non, je suis désolé, je ne l'ai pas vue depuis l'incident. Quel incident? Je suis si inquiet à propos de ce pauvre petit bébé. Votre bébé? L'araignée. Elle a pris mon enfant. S'il vous plaît, ramenez mon bébé ici, sain et sauf. Oh, de retour, ma chère? T'as un léger problème. Picture. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis si en colère. On va bouger vers le tea time. N'apprécie pas un après-midi de thé. On va prendre une photo de nouveau. Parce que là, j'arrive en terrain inconnu. J'ai arrêté quand j'ai vu l'espèce de chenille et que j'ai vu le mécanisme du hibou, mais j'ai pas vu les énigmes d'ici. Ou très peu. À l'aide! Hé, vous! Moi? Oui, vous, la moche, venez par ici. Ah, ça doit être le gosse de l'autre, là, l'autre espèce de caterpillar. De chenille. Sortez-moi d'ici. Hein? Est-ce que t'es stupide ou quoi que ce soit? Dépêche-toi, ils sont sur mon dos. Qu'est-ce que tu entends par « ils » ? Oh oh. C'est le boss? Les amis, regardez qui a décidé de nous joindre pour dîner. Tu as beaucoup d'audace pour venir te montrer devant notre visage par ici. Finalement, je commence à être fatigué de ces insectes. Est-ce que vous êtes l'araignée? Une araignée? Où ça? Nous ne sommes pas des... Elle dit que nous sommes des araignées. Nous sommes des loups, imbécile. Enfin, nous sommes des loups, génie. De très des loups très affamés. Est-ce que vous souciez que je prenne cette chose-là? Chose? Hé, t'es... Est-ce qu'on se soucie qu'elle prenne cette chose-là? Je ne sais pas.
Je ne sais pas, hiver. Hé! Enfin, c'était plutôt printemps. C'est ça, printemps? Printemps et été, même question. Tu parles qu'on s'en soucie. Hé, quelqu'un d'autre a faim? Tais-toi, Auton! En fait, c'est Avril, ça. Yeah, ouais, tu peux pas voir qu'on est au milieu de quelque chose, là. Tu dois pas qu'on est au milieu d'une délibération, ici, imbécile. Oui. Eh bien, vos dents sont complètement foutues. Comment oses-tu dire ça? Je pensais que les loups s'associent... restaient tous ensemble. Tu ferais mieux de le croire. C'était ce stupide sphinx. Je vous l'ai dit qu'elle avait quelque chose de magique. Donc, fin. Nous étions des loups libres, mec. Mais, à cause de cette satanée... Dieu... Liver Eye, Yellow Bellied, Hag de Sphinx, je les ai attachés tous ensemble. Je l'avais dit qu'elles se portaient des ennuis. C'est ça! Ça, ce loup est un imbécile en fait, Auton. Vous les gars, vous l'avez juste à aboyer toute la journée. Est-ce que je peux bouger? Tu vas pas voir qu'on essaie d'argumenter ici. Reste en dehors de ça et nous te mangerons plus tard. Psst. Hey, la moche. Oui. Dis que tu vas aller appeler le Sphinx pour un remède. C'est notre seule chance de nous échapper. Quoi? Tu me crois pas? Très bien. C'est pas comme si je voulais être sauvé par quelqu'un d'aussi moche que vous, de toute façon. J'en ai mal à le cul de vous, bande d'imbéciles qui me ralentissez. Hé, c'est toi qui parles, cracker? Je vous ai jamais aimé, là, de toute façon. En fait, je sais pas quoi, comment... Comment dire, je ne sais, à chaque fois je fais leur voix, mais j'oublie parce qu'ils ne sont pas dans le même ordre à chaque fois. Excusez-moi. Tu devrais avoir une très bonne raison de nous interrompre. Je peux demander, je peux aller voir le Sphinx pour trouver un remède. Tu ferais quoi? T'es folle ou quoi? Va te manger vivant, mec! Ouais, c'est notre boulot! Enfin, on va te manger vivant, mec! Mais. Être libre de ces imbéciles, ça serait bien! Très bien. Va parler au Sphinx. Mais tu ferais mieux de revenir! Ouais! Ou on mange ta tête! Oh! Et moi! Et moi! On va le garder ici, jusqu'à ce que tu reviennes. Je passe par le bout de bois, oui. Est-ce que vous croyez que le Sphinx c'est l'espèce de loup qu'on a vu? Enfin, merde, non, c'était bon en fait. Est-ce que vous croyez que le Sphinx, c'est l'espèce de tête de bouc qu'on a vu là-haut? Qui était en colère? On va poser la question à l'espèce de tête à l'envers, là. Elle attend que papa revienne. C'est toi le Sphinx? Je suis si en colère. Ça n'a pas l'air. Oui, je fais des sauvegardes très fréquemment au cas où.
Bon bah alors on va aller comment ? Dans ces cas-là, on va essayer. Non, attendez. C'est l'heure de se coucher alors du coup ? Merde, bordel, j'arrête pas d'appuyer sur le mauvais bouton. Donc c'est l'heure du dodo là ? Sûrement. Parce que ça m'étonnerait qu'il y ait deux aiguilles au même endroit. Ce coup-ci, on fait mieux de prendre une photo parce qu'on sait pas à quoi s'attendre avec ce sphinx. Oh. Et c'est moi, ça ralentit à cause de la musique. Oh, tiens, une maison style japonaise. C'est un dinosaure. Et un vase avec des fleurs. Mais aussi sans fleurs. Oh, c'est un bouc. Ah, ah. La vie est de retour. Retour ? Oh ! La fille ne se souvient pas ! Je lui fais un accent parce qu'elle a les œufs. Est-ce que vous êtes le sphinx ? Zerza m'appelle un Zi, oui. Mais Zi m'appelle... Mais moi, Zi m'appelle moi-même The Woman. La vie est venue demander à The Woman de vous séparer les loups, non? Comment le savez-vous? The Woman sait pas beaucoup de choses, mais elle ne peut pas honorer la requête de la fille. Pourquoi pas? Les loups ont des villes gradures. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Peu importe. Mais ça a été trop longtemps depuis que la femme n'a pas vu une larve rouge. Une quoi? Une larve rouge. Rien ne rendrait la The Woman plus heureuse. La vie doit ramener à The Woman une larve rouge. Et peut-être que la femme, que The Woman va séparer les loups. Ok. Où est-ce que je peux trouver une larve rouge? La vie peut trouver des larves rouges si elle entre dans le grand labyrinthe. Mais sois prévenu, la vie peut ne pas en revenir. Maintenant, elle s'en va. C'est vraiment... En fait, c'est cet endroit là-bas qui me faisait laguer. Non, j'ai fait une Filch 2. C'est pas grave. Est-ce que tu vas entrer dans le labyrinthe? Tu ne devrais pas. Et si? Attendez une minute, je viens d'avoir une théorie. Est-ce que vous pensez que... Comment... Kat pourrait être la fille avec l'appareil photo? Oui ou non? Vous voyez les fleurs, ma chère. Certaines n'aiment pas être marchées dessus. Ne te perds pas. Bon, je devrais... Voilà, je vais faire une dernière sauvegarde avant d'entrer dans le labyrinthe. Parce que regardez, elle bégait un peu, elle hésite, elle bégait un peu comme Kat au début. Elle ne disait que des mots avec des trois petits points entre eux. Elle a l'air d'être normale sous ses bandages. Elle a l'air de porter une perruque. Bon,
c'est peut-être une mon imagination, mais en tout cas c'est ici que je vais terminer cet épisode. La dernière fois je l'avais fait plus longtemps parce que je voulais terminer l'énigme, mais je sais que l'énigme du labyrinthe risque d'être longue parce que je ne la connais pas, pas comme l'autre. Donc je sais pas si je vais juste entrer, faire deux tours de terrain, trouver la larve et revenir. Donc ce sera pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un commentaire, à liker et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à plus sur DNA Games, c'était David sur Stray Cat Crossing.